Le Bénin compte réaliser en 2019 un programme d'investissement public estimé à 425,11 milliards de francs CFA au profit de 197 projets. Au regard du cadrage macroéconomique, il est projeté une hausse de 10,1% du budget en moyenne sur la période 2019-2021. La session budgétaire s'est ouverte à l'Assemblée nationale avec la présentation d'une série de budgets sectoriels. Entre autres, le budget du ministère du Plan et du Développement est évalué à 14,2 milliards de francs CFA. Pour 2019, nous aurons essentiellement 6 projets, dont vous le savez très bien, le projet le plus connu aujourd'hui du ministère, le projet Bénin Taxi. En termes de prévisions pour 2019, le portefeuille budgétaire du ministère de l'économie numérique et de la communication s'élève à près de 25,7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards en termes de dépenses ordinaires et à environ 20 milliards en dépenses de capital. 2019 va voir la réalisation de la TNT se concrétiser et nous allons également renforcer le réseau en fibre optique. L'exercice annuel de présentation de budget concerne tous les ministres du gouvernement ainsi que les présidents des institutions de la République. L'opération dure jusqu'au 27 novembre 2018. Pour une offensive économique en 2019, le gouvernement béninois entend investir dans 4 secteurs: l'agriculture, l'artisanat, l'économie numérique et l'économie du savoir.